Salut tout le monde, c'est Olivier, fondateur et gérant de la chaîne communautaire du cœur. Bienvenue sur cette chaîne communautaire, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous présenter rapidement un peu le concept de la chaîne, pourquoi ce nom, quel est le but, comment y pouvoir y accéder, et voilà, quels sont les critères et tout ça et tout ça. Donc déjà, pourquoi la chaîne communautaire du cœur? Tout simplement, directement inspiré des restaurants du cœur. Hein. Donc si vous connaissez les restaurants du cœur, qui ont été créés par Coluche. Le but c'est d'aider, hein, d'apporter aux autres, donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne communautaire, de pouvoir aider un maximum en fait, de pouvoir mettre en avant le travail des gens, des petits youtubeurs, enfin de tous youtubeurs confondus en fait, et en tout cas de mettre en avant un travail qui mérite d'être vu, donc voilà. Donc au niveau des critères, alors déjà il faut savoir que tout type de chaîne est accepté, que vous soyez une chaîne podcast, une chaîne beauté, une chaîne sur les jeux vidéo, sur le motocross ou les gens passent, tout est accepté. Vous n'êtes pas obligé de mettre une intro puisque je n'en possède pas, donc vous n'êtes pas obligé de mettre d'intro en début de vidéo. Cependant je tiens à préciser que si vous m'envoyez une vidéo où c'est surchargé d'intro, ça risque d'être compliqué en fait, parce que je trouve ça très très lourd et très agaçant en fait, les gens qui mettent au taquet d'intro pour passer sur un maximum de chaînes communautaires. Je comprends que c'est le but, mais c'est un peu désagréable et ça peut devenir vite lourd en fait. Donc après, en soi, au niveau de votre contenu, il faut qu'il soit de bonne qualité, ça paraît évident. Il faut que ce soit en HD, au niveau de la qualité vidéo, que ce soit agréable à regarder, que ce soit agréable à entendre, qu'on vous entende bien. Si vous utilisez une musique, faites attention à ce qu'on vous entende bien et que la musique ne prenne pas le dessus. Et puis voilà, il faut que la vidéo ne soit pas non plus hyper longue. Hein. Je ne mettrai pas en ligne des vidéos de 1 heure ou 40 minutes. Il faut quand même que ça soit assez court, hein, si possible. Et puis voilà, vous êtes là pour mettre en avant votre travail. Donc il faut un maximum que faut se vendre, quoi. Faut un peu se mettre en avant. Donc voilà, mais en tout cas je suis là pour vous aider, je suis pas là pour vous descendre ou pas vous faire passer, au contraire, hein. J'essaie au maximum d'être indulgent. Donc voilà. Dernière chose, donc pour m'envoyer ta vidéo, envoie-la moi par message privé sur YouTube. Donc pour ce faire, une fois que tu es sur la chaîne communautaire du cœur, tu vas dans l'onglet à propos et ensuite tu verras une petite bulle en fait à côté d'un petit drapeau en dessous du nombre de vues. Tu m'envoies ton message comme ça. Alors un message assez respectueux, hein. Tu m'envoies pas juste le lien de ta vidéo en mode tiens, prends ça et mets ça sur ta chaîne. Enfin, on n'est pas des chiens, hein, on est quand même humains, donc un petit message un minimum respectueux. Voilà, vous m'expliquez au pire vite fait qu'est-ce que c'est votre vidéo, qu'est-ce que vous présentez. Et puis voilà, je ne réponds qu'à ceux qui sont sélectionnés. Donc si vous n'avez pas de réponse au bout de, je sais pas moi, une semaine et demie, deux semaines, c'est que c'est mort, parce que voilà, je suis humain, hein, il me faut le temps d'analyser votre contenu, de voir si ça vaut le coup, si ça répond aux normes, si c'est bon. Et donc voilà, comprenez bien que tout ça, c'est pas pour vous pénaliser, c'est pas pour être méchant, c'est juste que si je mets en avant tout et n'importe quoi, si c'est pour que vous fassiez lyncher, c'est pas la peine. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez ça, et puis voilà. Petit aparté, je tiens à m'excuser en fait, parce que pas mal de gens en fait vont pas du tout comprendre en fait le devenir de ma chaîne. Je m'en excuse parce que c'est vrai que voilà, disons que je suis mes envies et voilà, j'ai récemment voulu reprendre les vidéos, mais en fait définitivement je crois que c'est pas possible en fait, c'est vraiment pas possible par rapport à en fait le, enfin par rapport déjà j'ai beaucoup moins de matériel qu'avant, déjà ça. Puis on va dire que un an, ça fait long en fait. Je m'en rendais pas compte, mais voilà, le temps est passé. Je crois que j'ai trop tendance à vouloir m'attacher au passé. Et c'est pas bon en fait, mon temps est révolu, je pense. Et voilà, je veux pas laisser ma chaîne YouTube en plan. Donc j'ai envie de reprendre tout simplement la chaîne communautaire. J'ai envie d'aider. Je crois que c'est ce que je fais de mieux en fait. Et c'est ce que je peux faire de mieux maintenant, c'est aider un maximum de gens, parce que je me suis rendu compte, en re-regardant les gens que j'ai pu mettre en avant à l'époque, il y a un an, eh bien, il y en a qui sont devenus des youtubeurs très, très très bien, hein, avec pas mal d'abonnés, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Et donc voilà, donc j'espère que vous accepterez mon choix. De toute façon, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas le choix, hein, j'arrête pas de faire des répétitions. Donc voilà,
J'espère que vous me soutiendrez dans ce projet. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à participer. Il faut un maximum de gens qui jouent le jeu, sinon la chaîne communautaire ne pourra pas vivre, hein, tout simplement. Donc voilà, j'attends vos messages privés. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Salut !